Donc, si vous pouvez vous installer. Alors, pour cette méditation de la rentrée, je vais vous inviter, on va se recentrer justement sur ce mot de rentrée. Qu'est-ce que ça signifie, la rentrée? Je vais vous laisser tout d'abord vous installer dans votre posture par vous-même. Retrouvez la stabilité de la posture. Immobile. Et puis je vais vous inviter pour cette première méditation à juste commencer en voyant ce que ça signifie cette rentrée pour vous. Tout ce que cela évoque, ce qui remonte. Qu'est-ce que c'est cette rentrée? Septembre 2022. Et en plus des différentes évocations ou tâches qui peuvent vous revenir, le mot même de rentrée, qu'est-ce qui vous évoque? Il est fort probable que chacun d'entre nous a des évocations différentes, que la rentrée est différente pour chacun sur son chemin différent. En même temps, puisque c'est la première méditation qu'on refait ensemble de la rentrée ou la seconde, et qu'on le partage ensemble, je vais vous inviter à rentrer justement, à retrouver cette méditation ensemble, se retrouver. Donc on va appliquer cette rentrée. Bah, tout d'abord, bien entendu, vous connaissez ce qu'on fait habituellement, c'est de rentrer en soi. Rentrer en soi, c'est retourner le regard à l'intérieur de soi-même, fermer les yeux ou les laisser mi-clos. Ce que les Grecs appelaient métanoïa. La conversion, le retour du regard à l'intérieur qui peut nous transformer. La conversion du regard. Désolé. Quand vous retournez le regard à l'intérieur de vous-même, que vous rentrez en vous-même, la première chose que vous rencontrez souvent, c'est votre souffle. Et donc, je vais vous inviter à revenir, retrouver votre souffle.
d'être juste à l'écoute, chacune, de ce rythme de votre souffle, l'accompagner de l'intérieur sans l'observer, le vivre de l'intérieur, chaque inspiration, chaque expiration, et le petit moment magique entre les deux, de bascule, de vide, d'interstice. Qu'est-ce que ça fait de rentrer en soi pour retrouver son souffle? Et de rentrer dans son souffle. Juste se sentir vivre, respirer au diapason du souffle. Quand vous rentrez à nouveau dans votre souffle, vous retrouvez peut-être des sensations connues. Mais jamais le même. Et quand vous rentrez chez vous, vous avez cet air frais qui circule dans votre maison. Et ensuite, vous allez pouvoir explorer chaque pièce de votre maison. En passant maintenant, si vous le souhaitez, à vos sensations corporelles. Rentrez dans votre corps, dans chacun des organes qui vous parlent, chaque partie du corps, chaque pièce. Comment est-elle? Maintenant qu'on rentre à l'intérieur. Juste reprendre possession de chaque pièce de son corps, comme il est, sans vouloir le changer, sans vouloir qu'il soit autre, et sans se faire emporter par les sensations à l'intérieur de la pièce. Juste retrouver ces modulations perpétuellement changeantes. Ces micro sensation interne.
réapprivoiser c'est chez nous. Puis dans cette maison où vous revenez, votre propre maison, votre propre demeure, il y a bien entendu tous les étages supérieurs, les tours que vous avez peut-être construites pour mieux guetter tout ce qui se passe, là où c'est le royaume des pensées, de nos pensées, de notre logorée radio intérieure qui émet avec une grande antenne. Donc plutôt que de subir tout ce discours intérieur, ces pensées, vous pouvez rentrer dans cette grande pièce pour observer avec curiosité, amusement, tout ce flux mental auquel on ne fait pas attention habituellement parce qu'on est pris par lui, emporté par ses mouvements. Rentrez à l'intérieur de soi pour laisser se dérouler ses pensées sans s'y accrocher, sans les suivre. Et sans les écarter, juste en se déconnectant de ses pensées, les laissant passer, fluide. Et quand il n'y a pas de pensée, en profitant de cette absence de pensée. Et puis puisqu'on rentre à l'intérieur de soi-même, qu'on a envie d'explorer cette maison interne, vous allez pouvoir maintenant explorer toutes les ouvertures de la maison qui vous relient au monde extérieur. Donc, je vais vous laisser chacun explorer les cinq sens, les cinq portes. Les cinq fenêtres de votre maison, que ce soit des sensations qui vous viennent par les fenêtres, par la vue, par les sons qui passent à travers les fenêtres. Par le toucher qui vous met en contact avec le monde extérieur. Par le goût, par les odeurs qui vous font humer le parfum du monde, agréable ou désagréable. Juste rendez-vous présente chacune à votre manière pendant quelques minutes. Toutes ces sensations qui vous arrivent par les cinq portes du corps, de votre maison.
sans sauter de l'un à l'autre, juste se concentrer quelques instants sur les sons ou les odeurs, et puis ensuite passer à l'autre, etc. Et maintenant que vous avez exploré les cinq pieds, les cinq portes, pardon, de votre maison, pour finir cette première méditation focalisée, je vais vous demander de simplement habiter votre maison. Vous avez inspecté chaque partie, le courant d'air qui permet de vivre à l'intérieur. L'état du sol, des corps, des organes, des membres, chaque pièce. La tour de guet des pensées, les ouvertures. Posez-vous pour juste jouir de cette maison, qu'est votre corps, votre esprit. Ressentez pleinement cet instant présent en vous, dans cette maison. Alors, vous pouvez doucement rouvrir les yeux, regarder à travers la fenêtre de vos yeux, nous voir. Puis vous pouvez bouger, vous mettre en posture debout pour faire une petite marche méditative qui nous fera rentrer dans l'immobilité et le mouvement. Donc on se met debout, posture de la montagne. Vais essayer de faire entre les deux. Voilà. Donc toujours la posture de la montagne. Pieds écartés de la largeur du bassin. Genoux légèrement déverrouillés. Juste réhabiter
son corps, rentrer dans son corps, en sentant le souffle qui l'anime, à l'inspiration, les épaules qui remontent légèrement, l'attention vers le ciel. À l'expiration, le lâcher prise, s'abandonner à la pesanteur, tout le poids du corps qui descend dans les pieds, talons, voûte plantaire, gros orteils qui passent par le sol. Rentrer dans sa verticalité, comme si on était un arbre. Ou une montagne. Puis lorsqu'on le souhaitera, on pourra rentrer dans le mouvement, très lentement, lorsque vous en sentez le besoin, naturellement, comment l'un des deux pieds s'avance vers l'avant. Tout le poids du corps qui bascule sur la jambe avant, talon, voûte plantaire, gros orteil, le talon arrière qui s'est levé. Et à l'inspiration, vous pouvez le ramener vers l'avant, changer le poids du corps sur la nouvelle jambe avant, tout le poids du corps sur la plante des pieds, talon arrière qui se lève et ainsi de suite, sur l'inspiration et à l'expiration, vous vous réancrez dans la terre. Être simplement cette marche très lente, redécouvrir le mouvement, comme un enfant, comme un nouveau-né qui apprend à marcher. Si vous avez des pensées qui passent, des jugements, vous les ramenez dans le corps, jusque dans les pieds. Alors, on peut se réinstaller pour la seconde méditation. On continuera à rester sur ce thème de la rentrée, mais avec une méditation où je laisserai plus de silence sans objet petit à petit. Pour rentrer chez vous, rentrer dans cette seconde méditation, je vous invite à bien rentrer tout d'abord dans votre posture. C'est la posture qui permet la stabilité de l'esprit. Donc bien être attentif à l'ancrage dans le sol par les pieds. Trouver une assise aussi stable et confortable que possible au niveau du fessier. Sans appuyer si possible le dos sur la chaise. Pour sentir votre colonne vertébrale qui se redresse naturellement droite comme la tige d'une plante ou d'une fleur, avec sa courbure naturelle vers le ciel. Le cou, la tête dans le prolongement, comme si vous poussiez le ciel du haut du crâne. Le menton légèrement rentré,
bassin basculer légèrement vers l'avant. Lorsque vous sentez que vous vous moulez dans cette posture, dans celle qui vous convient, sans forcer, que vous l'adaptez bien entendu à votre manière, vous pouvez laisser se décontracter tous les muscles que vous allez sentir inutilement contractés, que ce soit dans les épaules, la mâchoire, la gorge, ailleurs. On ne garde que les contractions nécessaires à la posture, les tensions nécessaires à la posture. Ici, dans la première méditation focalisée, on rentre dans chaque partie de nous-mêmes, de notre corps. Dans la seconde, on va vraiment revenir au sens propre du mot rentrer. Rentrer, disent les dictionnaires, c'est pénétrer à nouveau dans ce qu'on avait quitté, dans son pays ou dans son domicile. Maintenant que vous avez inspecté chaque partie de votre domicile, juste rentrer chez vous, naturellement, le plus simplement possible, sans rien chercher. Juste découvrir ce qui s'y trouve, qui était déjà là. Juste être là, présence, dans une présence ouverte à tout ce qui se passe maintenant. Et vous pouvez laisser ressurgir tout ce qui surgit du moment que vous ne vous faites pas happer par le flux. C'est le processus même de l'anamnèse. L'anamnèse, c'est laisser se souvenir de tout ce qui remonte, de tout ce qu'on est, qu'on avait oublié, des profondeurs de soi. Et en dessous de l'agitation habituelle, on peut peut-être découvrir qu'on est juste cette présence, cette ouverture que je vous invite à chaque fois à retrouver. Ce large espace de la méditation qui consiste à refusionner avec la vie, avec ce qui est au plus profond de soi, autour de soi, qui change à chaque instant.
Juste être là, ici, maintenant. Et goûter cette saveur unique de chaque instant. Et on peut alors peut-être découvrir que soit c'est pas toutes ces petites pensées, ces petits tracas, ces petits éléments auxquels on s'accroche habituellement, c'est juste cette présence qui nous relie au reste, à la vie, à chaque instant. Une phrase que j'aime bien de Maître Dogen, qui a fondé le Zen, c'est rentrer en soi, méditer. C'est apprendre à mieux se connaître. Se connaître, c'est s'oublier soi-même. S'oublier soi-même, c'est être relié, attesté au reste du monde. Peut-être ça, rentrer en soi. Ou autre chose pour vous. Suivez votre intuition, votre chemin, votre vérité.
La rentrée en soi, c'est ce que vous trouvez maintenant de ce que vous êtes. Relié au monde, à la vie, à chaque instant. Si vous voulez poursuivre l'exercice un petit peu plus loin, mais c'est pas obligé. Je vais vous inviter à rentrer encore plus profondément en suivant les conseils de Bankei, ce maître zen dont je vous ai déjà parlé du XVIIe siècle. Puisqu'on s'amuse à rentrer en soi, allons-y jusqu'au bout. Il dit, allez en arrière, au moment où vous êtes né. Vous ne pouvez en trouver le souvenir, il n'y a rien du tout. Gardez votre esprit tel qu'il était lorsque vous êtes entré dans le monde. Et aussitôt, vous êtes réalisé. Vous êtes un être vivant. Un Tathagata, un Bouddha pour les bouddhistes. Alors, vous voyez que ce monde flottant est irréel. Et au lieu de tenir aux choses, dans votre esprit. Rendez-vous. Chantez. Laissez ces mots résonner en vous. Appropriez-les, laissez-les vous nourrir comme ils vous nourrissent. Cherchez pas à les comprendre intellectuellement. Voyez juste ce qui réveille en vous. Et c'est de ça que vous avez besoin. Lorsque vous entendrez les trois coups de gong, vous en profiterez pour prendre le chemin inverse, vous préparer à ressortir vers le monde extérieur. Premier coup de gong, vous pouvez réintégrer tous vos mouvements musculaires internes, vos sensations internes. Sens qui vous relie au reste du monde, tout en gardant les yeux fermés si c'est possible.
troisième coup de gong, vous pourrez rouvrir les yeux lentement, réintégrer le monde. Regardez les autres. Rouvrir le petit micro. Je vais arrêter l'enregistrement.